Donc là, du coup, t'es dans le commerce, c'est ça? Qu'est-ce que t'es en formation? Tu me disais gestionnaire unité commerciale? Voilà, c'est ça. D'accord. Donc je suis rentrée dans le commerce suite à un BTS comptabilité que je n'ai pas validé. Un petit détour par le social. En parallèle, je travaillais donc à Gémeaux, un magasin de vêtements, avec du commerce et des remplacements de gérance qui m'ont donné l'envie de valider un bac plus 2 de gestionnaire d'unité commerciale. D'accord, pour aller dans cette voie, quoi. Parce que rien à voir, c'est vrai, par rapport à ce que tu faisais avant. Voilà, absolument. Je connaissais du bout des doigts, je voulais un poste à responsabilité dans le commerce et donc je me suis destinée sur ce type de formation. Et du coup, tu disais la formation, tu l'as fait Je l'ai fait en alternance. Ah, c'est en alternance, en d'accord. En alternance, voilà, à Castorama, à Cap-Malo. D'accord, ok. Et le rythme, c'est quoi en fait? Une semaine. D'accord, donc une semaine à école et une semaine en entreprise. Absolument. D'accord, et tu fais quoi chez Casto alors? Alors à Casto, en première année, je faisais surtout donc, tout ce qui était de la mise en rayon, de la vente pour apprendre les produits. Maintenant, en deuxième année, j'ai un peu plus de responsabilités, j'ai deux rayons en charge. J'ai aussi à avoir une dimension managériale pour accompagner une personne qui vient de rentrer dans nos rayons. Pour recruter également. Ah oui, tu participes au recrutement. Voilà, je participe également. C'est intéressant. Ah ouais, donc il y a une vraie évolution. Puis voilà, il faut apprendre des bases en première année. En deuxième année, on évolue et on apprend un travail de chef de rayon au minimum. D'accord. Et dans ta classe aussi, ils sont sur des missions comme ça, intéressantes? Voilà, oui. Et la formation, c'est ça que tu apprends alors? À la formation, j'ai uniquement des matières professionnelles. J'apprends à gérer une entreprise et également à en créer une. On a une grande dimension de création d'entreprise aussi à l'intérieur du diplôme. Ok, donc c'est intéressant. Et du coup, Castorama, ça a été facile de trouver ton entreprise? Alors, après beaucoup de démarches, en fait, c'est l'école qui m'a aidé à trouver Castorama. D'accord. Avec donc, des job dating où j'ai rencontré des chefs de secteur de ce magasin. Il y a eu le déclic quand tu les as rencontrés alors? Au moment des entretiens, le courant est passé directement et... D'accord, et pas déçu d'être pas du tout. Pas du tout. Et du coup, ils t'embauchent, tu continues une formation, qu'est-ce que tu fais alors? Alors, niveau études, je vais m'arrêter là. Après, niveau travail, je change de région. Donc, peut-être rester chez Casto, mais dans une autre région. D'accord. Voilà, mais soit gérant en fonction du type de structure, mais d'accord. Dans le commerce toujours. Ok, donc c'est intéressant. Merci.